Good morning, allez, il y a juste aujourd'hui le lundi matin, mon rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah bat Chana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, c'est que le Fouat, Sarah bat Betty Rivka Bador Shachon Israël. Si vous souhaitez vous diviser une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perekut Bet, Mishnah Hei, Mitnadvin Yain, Vent Mitnadvin Shemen, Divrei Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon Omer, Mitnadvin Shemen. Amar Rabbi Tarfon, Mama Sinu Yain Shebachova, Uba Nedava, Ava Shemen Bachova, Uba Nedava. Amar Rabbi Akiva, Lo, Ema Marta Bayain, Sheken Hokarev Chovato Bifne Atzmo, Tomar Bashemen, Sheno Karev Chovato Bifne Atzmo. En Shnaim Mitnadvin Isaron Echad, Aval Mitnadvin Ola Ushlamim, Obaof Afilu Predachat. La Mishnah enseigne. Mitnadvin yain ve'en mitnadvin shemen. On peut faire un don de vin, indépendamment, mais on ne peut pas faire un don d'huile, indépendamment. Divrei Rabbi Akiva, et on explique. Notre Mishnah maintenant parle des choses qu'un homme peut apporter en offrande tout seul. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un korban hola, par exemple. Alors on avait appris qu'il faut en plus de ça, en plus de l'animal qu'on apporte, apporter aussi une minchat nesachim, apporter une mincha avec de la semoule. En plus, ça accompagne la hola, de la semoule, de l'huile. Il fallait même aussi apporter du vin que l'on va verser dans les chitines, dans les trous qui se trouvaient en haut du misbéach. Maintenant, la Mishnah parle, est-ce qu'on a la possibilité aussi d'apporter un don juste de vin ou juste d'huile, uniquement, pas avec la mincha, en plus du korban, en plus de la mincha, m'apporter juste du vin ou juste de l'huile. Alors, le Rabbi Akiva m'enseigne qu'on peut faire un don de vin si on veut. Ça existe d'apporter. On va apporter Khatsi Aïn ou Rivit Aïn. On va faire un don de vin. On va apporter juste du vin au Beit HaMikdash. Mais on ne peut pas apporter juste de l'huile. C'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Omer, Mitnadvin Shemen. Selon Rabbi Tarfon, on peut effectivement apporter même de l'huile. C'est-à-dire, si je veux, je peux apporter une quantité de 3 logs, par exemple, d'huile. 4, 6, j'ai plusieurs possibilités, ce qu'on évoquait à la fin de la mission précédente, d'apporter de l'huile, juste de l'huile. Et on va apprendre ensuite qu'est-ce qu'il faut faire, ce sera expliqué dans la suite de la Mishnah. Donc, ok, on a donc, pour le vin, selon tous les avis, on peut apporter, et pour l'huile, on a une discussion. Et chacun va justifier la raison pourquoi il pense, oui ou non, que l'huile, qu'on ne peut pas en faire un don, indépendamment. Amar Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon en dit, « Ma matino bayayin shebachova ou banedava, af hashemen bachova ou banedava. » Ma matino, qu'est-ce que l'on a trouvé? C'est-à-dire, aussi bien que l'on a vu que yayin, que le vin, bachova ou banedava, on peut l'apporter en guise d'obligation, ou en guise de don uniquement, indépendamment. Af Hashemen, idem pour l'huile, j'apprends l'un de l'autre, que ba chova ou ba nedava, je peux l'apporter en tant que chova, en guise d'obligation, en devoir, j'ai une obligation de l'apporter, et de l'apporter aussi en don indépendant. C'est-à-dire, je répète très simplement, ça existe de faire un don de vin. Autant, aussi bien qu'on a vu que le vin, j'ai parfois une obligation d'apporter du vin, par exemple. Si j'apporte un korban hola, comme ce que j'ai dit, alors on a l'obligation d'apporter en plus de ça une minchat nesachim, avec en plus de ça d'apporter du vin. Donc tu remarques que le vin, tu l'apportes en guise d'obligation. Et la même chose, tu as vu aussi par ailleurs que tu peux décider de faire un don de vin uniquement. Donc de ce fait, au même titre aussi, l'huile. Autant que j'ai vu que je fais un don, que je dois apporter de l'huile en guise d'obligation, lorsque par exemple je fais mon korban hola, que j'ai apporté la minchat nesachim, j'ai apporté une offrande avec dedans de l'huile, et bien je peux aussi prendre cette huile et la porter indépendamment. D'accord? Donc aussi bien que, je répète encore une fois, aussi bien que tu as vu le vin, que des fois tu l'apportes en guise d'obligation de chova, et des fois en guise de don, ben, l'huile, c'est le même principe aussi. Tu apprends l'un de l'autre, il n'y a pas de raison de faire des différences entre les deux. Amalo Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a rétorqué l'eau. Bien sûr qu'il y a une différence.
Différence énorme. Si tu as dit pour le vin qu'on a trouvé effectivement du vin que tu vas apporter en, que tu as la possibilité de l'apporter en don indépendamment, pour quelle raison? Parce que tu as vu par ailleurs que lorsque tu es obligé d'apporter le vin, malgré tout, tu l'apporteras indépendamment. Tomar bashemen, mais tu vas dire, vas-tu apprendre de là, du vin pour l'huile, que l'huile n'a pas cette particularité, que tu ne vas pas apporter en guise d'obligation lorsque, indépendamment, et j'explique, c'est simple, c'est, viens, on va chercher un endroit où tu as l'obligation d'apporter du vin ou l'obligation d'apporter de l'huile. Et regarde la différence énorme qu'il y a entre les deux. Lorsque tu dois apporter du vin, donc j'ai fait mon korban hola. J'ai fait ma hola maintenant. Concrètement, il est vrai que je dois apporter aussi des menachot. Je dois apporter une minchat nesachim. Je dois apporter une mincha avec dedans qu'il y aura de l'huile. Je dois aussi apporter du vin. Maintenant, premièrement, le bartender il insiste sur ça, donc je le répète, j'ai pas trop compris pourquoi il l'a utilisé, mais donc je reste fidèle au texte. Je peux, je dois apporter ma hola avec la mincha. Maintenant, je suis pas obligé de les apporter tous tout de suite. Je peux apporter la mincha aujourd'hui. Et la hola tout de suite, je fais tout de suite mon korban de hola. Et pour le moment, je n'ai pas encore apporté les nesachim, je les apporterai le lendemain. La mincha de nesachim. Et lorsque je vais les apporter le lendemain, le vin, il va être dans un ustensile tout seul. Et ce vin tout seul, je vais en faire un don. Donc regarde ici que le vin, concrètement, même lorsque tu es obligé de l'apporter, tu l'apportes de manière indépendante. Alors de ce fait, effectivement, on va apprendre que tu peux décider aussi d'apporter du vin tout seul, même si tu n'as pas fait de korban hola. Tout seul, tu as apporté un don de vin, au même titre. C'est-à-dire autant que dans l'obligation, tu apportes le vin de manière très indépendante, sans korban, parce que le korban, tu le fais la veille, et tu l'apportes aussi, tu le mets dans un ustensile à part entière, tout seul, qui n'est pas mélangé. Pour l'huile, c'est pas la même chose. L'huile que tu vas apporter, ça n'existe pas d'apporter de l'huile en plus. L'huile, tu la mélanges dans la solette, tu la mélanges dans la mincha. Donc, tu as vu que c'est vrai que tu apportes de l'huile en obligation. Mais l'huile, c'est un composant d'un don, de quelque chose d'autre que tu fais. Tu vas donner la semoule avec dedans ton huile. Tu n'as jamais vu que tu vas prendre de l'huile dans un verre et que tu vas l'apporter en don au Beit HaMikdash, au Misbeach. De ce fait, c'est en cela qu'il y a une différence. D'accord ? Je répète, donc, il nous dit, encore une fois, « Marlo Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, le rétorqué l'eau, Yema Marta Bayayin, si tu as dit, à propos du vin, « Sheken ukarev chovato bifnatmo » car on a vu que tu l'apportes en chova, en obligation, « bifnatmo » de manière indépendante. Oui, « afepishu bachova ima mincha ima makeva mincha » Par contre, Tomar, Bashemen, Shenokarev, Chovato, Bifinasmo, vas-tu dire à propos de l'huile que tu n'as jamais vu que tu l'apportes indépendamment? À part ça, la Mishnah continue maintenant en enseignant d'autres halachot. Enchnein mitnadvin isaron echad, aval mitnadvin ola ushlamim. Deux associés ne peuvent pas faire un don d'un isaron. C'est-à-dire, par contre, aval mitnadvin ola ushlamim. Par contre, deux peuvent s'associer, peuvent apporter un korban ola ou un korban shlamim. Ou baof afilou predachat, ou encore, même lorsqu'il y a un don de off, de volaille, un tor ou un benyona, même un seul predachat, c'est-à-dire même une seule volaille, un seul oiseau. Et c'est très simple, deux personnes qui veulent s'associer pour apporter un korban. D'accord ? On peut, si on veut ensemble, on va apporter un korban ola, un korban shlamim, et on va l'apporter ensemble, même si c'est un seul animal pour deux personnes, ça existe d'apporter en association. Par contre, ça n'existe pas d'apporter une mincha en association. On ne peut pas apporter un isaron. Alors, je ne sais pas pourquoi la Mishnah insiste en disant un isaron uniquement. Personne ne soulève, ici dans les commentateurs, personne ne soulève le mot. Il en va de même pour deux isaron et trois isaron, ou plus même. Je ne comprends pas pourquoi on a pris spécialement un isaron echad, c'est-à-dire mincha. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui s'occupe d'expliquer cette expression. Mais en tout cas, le principe... Il est là. On peut pas, deux personnes ne peuvent pas apporter une mincha en association. Chacun apporte son mincha tout seul. Pourquoi le bartonora nous rapporte un pasouk
Les fiches Nemarba Nefesh. Le pasuk a dit Nefesh qui t'écrit. Une âme, lorsqu'elle apportera. Une Nefesh, ça veut dire un être humain. Chaque être humain apporte sa mincha. C'est quelque chose qu'on ne partage pas avec quelqu'un d'autre. De ce fait, ça s'apporte, on n'offre pas ça en association. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Assez rakol tout. Salam.